Les échecs. Je suis sûre qu'ils ont fait exprès de la faire faire des petits bruits comme ça pour te faire sursauter. Mais ça la rend attachante, hein. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Ouais, c'est clair. Eh, hey, mais ok. Ouais, c'est clair que ça fait très Red Dead. Bien, on y va. Vas-y, aie confiance. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en T'as occupe. Gueule de le fermer. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Ouais. Surtout, ne t'éloigne pas. Nous Mais parle. Pourquoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Bah, quand t'as laissé de siffler... Tu rigolais pas en parlant de... J'ai envie de te dire... Moi, j'aime pas des masses, parce que tout à l'heure, je m'y attendais pas. Et ça fait un bruit... On dirait qu'il y a un monstre, quoi, qui arrive. Ça me gratte, ça, attends. Ok. Ouais, y en a pas deux comme lui. Je peux fouiller là, c'est safe? Ok. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. Il m'a dit de bien le suivre, mais moi j'ai envie de fouiller, hein. C'est gamin. Haha, je vous emmerde. Ouais. J'espère que tu sais ce qu'il faut, moi. La combinaison? C'est quoi ce type? Alors, on va où, Bill? Une meute infectée, ça se tient. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Hein? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Oh, donc putain. Il nous faut plus d'armes. Oh là là. Mais ouais, c'est vrai qu'en vert, j'ai failli le mettre aussi, je trouve ça très joli. Arcon, il a pas pu me montrer son petit pendentif Luciole, il m'a montré le fabricant, mais il a pas pu me montrer parce que c'est toujours emballé dans les cartons. Attends, je fouille, hein, Bill, tu vas trop vite. Nous, on connaît pas le coin. Allez. Oh, les lettres de Hadid. Gare, c'est beau, hein. Moi, je fouille, hein, Bill. Hein. Je te suis, mais je fouille. Hein. Tu sais, on m'a parlé de caisse à outils. J'en ai toujours pas trouvé une seule. Pousse-toi! Ah. J'ai cru entendre des petits sons au loin. Je suis pas sûre, mais... J'ai l'impression d'entendre des bruits lointains. Oh, j'ai entendu tout. Sûr qu'il y a des trucs pas loin. Ouais, il y a des bruits dehors là, j'entends comme ça. C'est assez typique quand même. Oh là là. Oh là là, t'entends comme moi, hein. Bill, regarde, il y a des compteurs. Il y en a un à l'intérieur. Ouais, bah non. J'avais prévu de nettoyer ça. Voilà, tu t'en occupes, Bill? Tu m'as pas répondu, Cortès. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, il y a un couteau, je peux le récupérer? Allez, on y va. T'es sûr qu'il n'y a rien? Il y en a quand même dans la voiture. Attends. Putain, la pourquoi porte. Vous réparez pas l'une de ces voitures? Ouais, c'est vrai ça. Oh, t'es un petit génie, toi! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Attends, excuse-moi, mais il parle comme Arcon. Ah ouais, t'es un petit génie, toi! Ah ouais, tu sais, quand il fait sa voix de con. Ah, Bill, okay. Je vais dire que c'est Arcon. Arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail. Infecté! Tiens-toi prêt! Ah.
ta mère. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, je me suis fait avoir comme une... Ah, puis ça reprend comme ça, quoi. Mais me frappe pas. Laissez-moi chercher mon molotov. Ils peuvent pas grimper, hein. Oh, mais ça va. Dégage-moi cette saloperie. Oui, bah, j'essaye. Et j'ai du mal à viser. Attends, en vrai, un truc que j'ai pas réglé non plus. Commande. C'est moi la paix. Voilà, avec la visée adéquate. Bon. C'est tout de suite... Ah ouais, en vrai, il y avait des... Je me souviens de ce que tu m'as dit, il y avait des parpaings et tout, là. Il y avait tout pour m'aider. Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt. Ouais, il y avait plein de bouteilles pour leur péter la gueule. Bill ? Joël ? Quoi ? Par là. Allez, on monte. Attends, je fouille. Bah oui, je trouvais que la... En fait, franchement, j'avais l'impression de viser en visée très lente comme un patapon. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un truc craquer, là. C'est un arbre? On saura jamais. Mais ouais, il y avait plein de briques. En fait, c'était fait pour jouer comme tu m'as dit, de courir autour et de leur balancer dans la gueule, quoi. Faut vraiment qu'on se souvienne de ça. C'est notre problème. On n'a pas le réflexe de jeter des parpaings, mais ça va venir, hein, la violence, on va y arriver. On va choisir un autre endroit au crochet. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. Les gens normaux qui me foutent les jetons. C'est vrai. Bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que les gens sont des connards. Je suis assez d'accord, hein, avec ça. J'ai besoin de me soigner ou... Non, ça va, on est bien. Bouge-toi. Mais c'est moi devant ou c'est toi? On va pas se disputer, c'est moi, allez. Maintenant que j'ai la visée adéquate... Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi aussi. Quelle logique imparable. Tu vois, il aurait peut-être été plus patapon, il aurait répondu « Oh oui !» Sans Bill, c'est notre petit patapon. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Ah wow. J'aime pas ce flingue, j'utilisais jamais. J'ai même... D'ailleurs, je vais changer parce que j'ai... Voilà. Oui, les patapons, oui. Oh oui. Mais oui, surtout quand il a parlé, il disait « Ah, t'es une petite maline, toi !» Tu sais, le badavon, il a fait souvent cette voix de con, là, comme ça. Non, mais en vrai, j'ai qu'une envie, là, c'est de me barrer dans les bois, et puis on se casse par là, quoi. Bon, j'imagine que c'est là-dedans, un endroit bien glauque, et... Ouais. Allez! Et j'ai pas voulu me coucher, je voulais continuer à jouer, je regrette. Bon, nous y voilà. Ok. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Et ta gueule, tu la fermes?
Il faut que je fasse gaffe, c'est en stream quand même. Pas dire trop de conneries de ce genre. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Oui. Non, donne je lui. Crois pas. Si. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Si. Écoute, reste là. Oh. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Non ! Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Il s'énerve. Dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Ok. Alors tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bien, ouais, c'est... mais... C'est pas ça. Quel intérêt de vivre comme ça, c'est alors après. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Ouais, bien répondu. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Putain, il m'énerve. Viens avec ça. Oh. Non, mais en plus, j'ai envie de te dire... Ouais. Ah, ça... Avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Attends. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Ouais. Mais j'allais dire... En vrai, franchement... Si c'est juste survivre pour survivre et que t'es tout seul dans ce monde et tout... Enfin, j'ai envie de lui dire au bout d'un moment quel est l'intérêt, quoi. Je veux dire... peut-être mieux crever tous ensemble que de survivre tout seul comme il fait, hein. Parce qu'au final, quelle vie c'est ? C'est juste de la vie de survie. Où est-ce qu'il a du plaisir dans sa vie ? Si c'est juste pour survivre et qu'il n'y ait rien de, au bout, qu'il n'y ait pas de projet pour faire évoluer ou je sais pas. Enfin, c'est peut-être très philosophique, hein, mais... C'est quoi ton nouveau... Attends, je voudrais fouiller avant que tu me montes tes conneries, parce que... Voilà, tiens... Ah ! Caisse à out. Voilà. Voilà. Ma première caisse à out, ça mérite une sauvegarde. Ah, je sauvegarde ma caisse à out. Hein. La légendaire, ouais. La seule, unique. Alors ça se trouve, c'était la première, hein, et je me suis... Ah, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est, mais alors j'en ai ramassé. Hein. J'en ai ramassé. J'adore le petit bruit, moi. En plus, je préfère la sensation, en fait. ASMR clavier. Bref. Attends, non, c'est bon. Ça, on voudra l'acheter quand on pourra. Ah, quoique, il va tous me les gaspiller, en vrai. Mais peut-être ça peut être utile. Mais ça aussi, c'est utile. Quoique, parce que les trucs, ils me tuent d'un coup. Ah, c'est quoi ça, la Javel ? Enfin, un bidon. Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Voici une bombe à clous. Ouais. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Oh, ouais, je peux la prendre ? J'ai vu quelques-uns de tes jouets. Pas mal, hein. Mais comment je range ça dans mon sac ? Ouais, je peux pas. Ces bombes puissantes explosent dès qu'un ennemi approche.
Utilisées offensivement ou défensivement, elles peuvent être lancées en cloche avec L2 ou placer des points stratégiques R2. L2 plus R2, ça fait comme ça. R2, bon, ok. Ça faut qu'on... Les bombes qui n'ont pas explosé peuvent être récupérées. Donc R2, ah ouais, tu vois, j'aurais pas fait. J'aurais fait l'inverse, moi j'aurais maintenu avec l'autre pour. Ok, donc R2, on la dépose et L2, on fait des cloches. De pack. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout. Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée ? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Par contre, j'ai un petit peu mal dans ma poche arrière. Là, je viens de mettre le truc, ça me pique un peu les fesses. Hein. Par contre, faut pas que je m'assoie, hein, parce que là, ça va me transpercer. Là, c'est le décès. C'est horrible. Je sais pas si t'as vu, il l'a rangé dans sa poche arrière, la petite boîte. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. J'entends des sons. Inquiétants. C'est le... Il y a du ragoût. Ah ! T'entends ? Putain. En vrai, ça ferait presque rassurant une église, comme ça. S'il n'y avait pas autant de fenêtres de partout. Allez, rassemblez vos affaires. Hein, tu passes... Attends, tu vas trop vite, Bill. Regarde. C'est pas le professionnel ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon, je touche à rien. Si. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. Oui, effectivement. Ah, c'est là qui... Mais en vrai, c'est bien parce que les vitraux, ça cache, tu vois. Ça floute. Mais par contre, ça fait vachement vulnérable. Hein. Enfin, je trouve. Oh, on a l'air tellement... J'ai presque envie... J'ai pas envie de retourner dans la guerre dehors. Oh là 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 là. Puis là, on a Bill, mais je pense qu'il va se faire dégommer tôt ou tard. Hein, Bill ? Tu vas aller. Allez, viens. Regarde. Là, c'est le lycée. Ok. Ok. C'est bon ? Ouais. On verra bien. Mais ouais, en plus, regarde, il a un mur protecteur, là, avec le cimetière. Il est bien, là. Et je fais le tour. C'est pas tapant, cet endroit. Pourquoi ? Ah oui, le mur de pierre. Non, mais en vrai, c'est, je veux dire, en cas d'apocalypse comme ça, tu vois, là, il a un mur, il est bien protégé, il a une porte en fer. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. Tu vois. J'ai vu Pierre. Ouais, ce que j'allais dire, tu sais, la grande ville. Allez, on se bouge comme tu veux. Je pense pas que ça serve à grand chose de la protéger, franchement. Dans Walking Dead, là, le livre, il y avait un personnage comme ça, la mère. Alors, je sais plus combien t'as vu de la série, mais. Comment elle s'appelle ? Laurie, je crois, elle s'appelle, la mère. Elle m'énervait dans le livre parce que elle passait son temps à crier sur Rick, le père du petit. Non, je veux pas qu'il ait d'armes, nanana, nanana. Or, je veux dire, t'es dans un monde apocalyptique, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas le protéger de tout, faut qu'il puisse se défendre. Et Laurie, elle m'énervait à être tout le temps comme ça. Moi, en vrai, je lui donne une arme, hein, la petite. Hein. Après cette porte, je serai en terrain connu. Avec le présentateur ouais. Télé et tout. On va voir des tribus. Pourquoi silence. Ça me dit que j'ai eu un message et je sais pas si t'as envoyé un truc qui a pas affiché, mais... J'ai entendu du bruit, je crois, non ? Putain. Non, moi j'en tue pas, hein. Je laisse Bill faire. Elle a pas peur, t'as vu, elle y va, hein.
Elle est où, ma petite? Attends, deux secondes, faut que je... Excuse-moi. Ah, le chat, voilà. Ouais, je sais pas si tu m'as envoyé un message qui a bugué. Yeah, like I say, I can't stop right now. Okay. Putain. Putain. Pourquoi il y va pas? Eh? J'ai envie de le relancer dans la tête, là. Il m'énerve, va pas aller où... Dépêchez-vous. On va où, là, en fait? Putain. Putain, ça m'aurait étonné, ça, aussi. Putain, mais Bill! J'ai peur, ce con. J'ai mal aux doigts à force d'appuyer sur le stick gauche. Faites gaffe. Putain, il y en a combien encore? Quoi? Bill! Je suis désolée. Putain, j'ai gaspillé un molotov là. Bill, tu fais quoi? Bill? Il est où, Bill? Je l'ai brûlé, il est mort! Bill? J'ai pas tué Bill quand même. Ah non. Ces trucs. Mais ta gueule! Regarde, c'est quoi la petite boîte là? Pousse-toi, 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 pousse-toi. Ah tiens, je crois, j'ai... Franchement, j'ai mal au cœur là pour le molleux. Qu'on allait y rester. Bah voilà. Oh putain. Putain. Putain, putain, putain. Et il y a un petit truc là, un petit renfoncement, je vais y aller. Hein. Un molotov pour deux. C'est vrai ou tu te moques de moi? Sarcastique ou c'est... J'ai l'impression franchement d'avoir gaspillé mon molotov. Je pensais qu'il y en a plus qu'aurait brûlé. Qu'il en reste encore plein après. Et c'est quoi? C'est une boîte de munitions là-haut qui est restée? Ah non, c'est du rouge de son crâne qui a explosé. Non? Ok. Ouais, mais c'était mon seul molotov. Et pourquoi elle y va pas, elle? Oh, c'est bourré. Bill, je l'ai même pas vu se mettre là. Je veux la... Non, j'ai déjà un truc bien. Non, je vais pas échanger. C'est là. C'est là qu'on va. En vrai, ça se trouve, il y a des trucs là en haut, des petites marches. Attendez, mais... j'ai la clé de cette porte.
Eh, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Il va falloir qu'on soit discret. Moi aussi, je vais y aller. Je veux sortir de cet enfer. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, y a rien. C'est des normaux, ça. Et regarde, y a des canettes. On va la faire à la Ricky, comme... Merde, j'en ai plus. Bah ouais, attends. Y a encore les autres pas loin. On peut pas refermer derrière nous, là. Franchement. Regarde, on fait comme ça. Putain, y en a plein. C'est par où qu'on va? C'est bon. Non, tu te démerdes, tu te démerdes, tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives. Putain. Je pensais pas qu'il m'aurait vu, je pensais que j'étais planquée. On reprend où là? On est où là? Ah, putain, on reprend de là? Oh ta mère. Pourquoi t'as pas laissé la visée auto faire? À quel moment? J'ai pas fait gaffe. Putain. Et on va passer. Là, je suis fâchée. Hein. Là, on passe. On s'en fout. On connaît la route. On prend. Mais pourquoi il vient par là? Pour lancer la bouteille. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, je t'avouerai. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On maîtrise, on maîtrise. On maîtrise. Il est un peu lourd hein, dans ses pas, lui, là. Pousse-toi. Quand le rond devient vert sur l'ennemi, t'as pas besoin de viser manuellement. Ah, oui, mais je crois que j'ai vu, mais j'ai pas... Enfin, j'ai peut-être pas fait gaffe dans l'action. Franchement, le monotop, elle aurait été bien dans la petite gueule. Putain, vite. On a une autoroute, là, de la liberté. Oh, on s'en fout des petites plantes, on s'en fout. Ah, il y avait une petite plante. Ah, oh, allez, si, j'y vais. J'y vais ou c'est la plante de la cupidité? Attendez, j'ai la clé de cette porte. Ah, si. Bah je sais pas en fait, j'étais pas su... je sais pas pourquoi j'ai pas fait je sais pas. Derrière toi. Quoi? Mais il me fait pas des blagues, s'il y a rien derrière moi. Il me gueule derrière toi alors qu'il y a rien. Là vraiment franchement je serais où, je refermerais. Okay. Ah, j'ai trop mal, sa mère, avant de pousse. Ah. J'ai mal. Ok. Mais là, le problème, c'est que ça va attirer les cliqueurs.
Non, on veut pas ça. Quand il dit ça à toi, il t'a montré l'ennemi en surbrillance. Mais j'ai même pas vu d'ennemi en surbrillance. Pas. Ta gueule, les cliqueurs, ils vont venir. Elle a failli me l'acheter dans la gueule, là, le truc. Mais lui, okay, ils avaient des munitions. Ils sont hyper rentables, ceux. Il y a encore du brillant, là. Attends, il y a encore du brillant. L'horreur. Bah, l'horreur, l'horreur. Je croyais que t'avais vu pire. On devrait savoir, hein. Ah, putain. Ça n'arrête donc jamais. En vrai, faut aller là-bas ou là-haut? Attends, parce qu'en vrai, il y avait moyen là, non? Gueulante qui pousse. En vrai, je sais pas si on doit aller par là aussi. Il y a peut-être des caisses. Ah, je sais plus par où je dois aller là. Il y a plein de chemins. Je sais pas si je vais dans la maison là et que je peux plus la fouiller. Oh là là. C'est quand j'appuie sur ce qu'ils me disent, si je maintiens le stick gauche, que j'ai cru comprendre que si je maintenais le clic gauche enfoncé, que je faisais encore moins de bruit. Peut-être que j'ai mal lu, hein. Je sais pas où aller, t'as vu, il y avait un truc là avec plein de... Parce que je sais pas en fait si le chemin principal c'est par là ou les petites maisons. Si vous me donniez une arme, je pourrais vous aider à buter ces enfoirés. Merde, boucle-la. Oui, ta gueule, là, je suis d'accord. Ah ok, bon bah alors je vais faire doucement. Pas ta gueule. Non, 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 pas le clicker. Non, non, non. Oh non, me dis pas que je recommence tout encore. Ça va. Oh, et puis la porte est fermée. Ça va. Le clicker, il est mort. Voilà, là on peut fouiller maintenant.